Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Dans le cadre de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire, on commence par l'actualité présidentielle avec le président de la République, Abdel Fattah el-Sissi, qui a envoyé un message de condoléances pour la mort du président tchadien Idriss Déby. Dans ce message, le président el-Sissi a déclaré que M. Déby était un chef sage et patriotique qui a servi sa nation et les pays africains. Plus tôt mardi, l'armée tchadienne avait annoncé la mort du président Déby lors d'affrontements de première ligne avec les rebelles. Sa mort est survenue seulement un jour après avoir été proclamé vainqueur d'une élection présidentielle qui lui a valu un sixième mandat à la République. Le président Abdel Fattah el-Sissi a appelé les entreprises appartenant au secteur des affaires publiques à réaliser le maximum des revenus économiques et d'investissement. Le président el-Sissi a aussi donné ses directives aux appareils gouvernementaux pour coordonner leurs efforts en vue de réaliser cet objectif qui représente une stratégie constante de l'État. Le chef de l'État a donné ses instructions lors d'une réunion avec les ministres de l'Intérieur et du secteur des affaires publiques au cours de laquelle il a exprimé et il a examiné l'exploitation optimale et le développement des actifs des entreprises du secteur des affaires publiques au niveau de toute la République. Rappelons également que le président Sisi a été mis au courant des efforts déployés en vue de recenser les actifs non exploités de ce secteur et des mesures entreprises en vue d'en profiter au maximum. Le chef du gouvernement, Dr Mustapha Madbouly, est arrivé hier en Libye, où il s'est entretenu avec le chef du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdelhamid Beba, de plusieurs dossiers d'intérêt commun. Après cette entrevue, les deux hommes ont tenu une conférence de presse conjointe. Les deux parties ont ensuite signé plusieurs accords de coopération bilatérale. Dr Madbouly est accompagné d'une délégation de haut niveau qui comprend les ministres de l'électricité, du pétrole, de la main-d'œuvre, de l'éducation et de la coopération internationale, de la santé, des télécommunications, de l'habitat, des transports, de l'aviation civile, du commerce, ainsi que le président de l'Autorité nationale des investissements et des représentants des investisseurs et des appareils concernés. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Chokri, a déclaré que l'Égypte avait prouvé lors des réunions tenues au sein de la République démocratique du Congo sur le barrage éthiopien de la Renaissance sa volonté politique de parvenir à un règlement légal concernant le remplissage et l'opération de ce barrage garantissant les intérêts des trois pays et préservant leur droit à l'eau du Nil. Monsieur Chokri a fait ses déclarations en remettant un message du président Abdel Fattah el-Sissi à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, portant sur les derniers développements du dossier du barrage éthiopien sur la position égyptienne à cet égard. M. Chokri a salué lors de cet entretien les efforts déployés par l'Afrique du Sud qui préside l'Union africaine dans ce dossier. La visite du ministre des Affaires étrangères en Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans plusieurs pays du continent où il a remis des messages du président el-Sissi aux dirigeants de ces pays concernant les derniers développements du dossier de barrage de la Renaissance éthiopien. Et on passe au bilan sanitaire avec le ministère de la Santé qui a annoncé hier, que 556 personnes sont rétablies du coronavirus, avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 164 368 personnes. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Meghed,
a déclaré que 855 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir enregistré 42 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la COVID-19. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 556 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas guéris pour atteindre les 164 368 personnes. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Meghel, a déclaré que 855 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés. Et le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir enregistré 42 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la COVID-19. L'économie égyptienne sera l'une des économies les plus florissantes ou des rares dans le monde, a marqué une croissance positive durant la pandémie de la COVID-19. C'est ce qu'a rappelé l'agence de notation Fitch. L'Égypte récupère et retrouvera ses niveaux donc de croissance d'avant pandémie, c'est ce qu'a indiqué l'agence Fitch lors d'un colloque virtuel durant lequel elle a passé en revue les données macroéconomiques égyptiennes de la région du Moyen-Orient également. Et tout de suite, on va retrouver plus d'informations sur cette notation très positive pour l'Égypte dans ce commentaire qui est préparé et présenté par Aranda Ahmed. Et Chali. L'économie égyptienne sera l'une des rares dans le monde à marquer une croissance positive durant la pandémie de COVID-19, selon l'agence de notation internationale Fitch Ratings. L'Égypte récupère et retrouvera ses niveaux de croissance d'avant-pandémie, a indiqué Fitch lors d'un colloque virtuel durant lequel elle a passé en revue les données macroéconomiques de la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le produit intérieur brut réel de l'Égypte enregistrera 5% dans l'exercice 2021-2022 et cette dernière trônera en tête des pays de la zone MENA ayant réussi à récupérer leur taux de croissance avant l'éclatement de la pandémie, selon Fitch. L'agence internationale met en avant le soutien apporté par l'État égyptien au secteur du tourisme et à la production de gaz naturel qui devrait augmenter cette année. Fitch invoque également d'autres facteurs de stimulation de la croissance, comme les recettes du canal de Suez et les mesures prises par la Banque centrale qui a abaissé son taux directeur de 350 points durant la pandémie. Ce commentaire a été présenté par Shahinaz Ismail. Et on a le plaisir pour donc faire le commentaire sur cette nouveauté, cette nouvelle notation de la part de Fitch. On a le plaisir de recevoir au bout du fil le professeur Mustapha Tamem, professeur d'économie et de sciences politiques. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle prouesse dans le monde de la réussite, là où tous les pays, même les plus industrialisés, connaissent une baisse dans leur taux de croissance. Comment vous expliquez donc ce qui a été rapporté par l'agence Fitch? Et ce n'est pas la première fois qu'elle donne une perspective positive à l'économie égyptienne. Certainement. Ça, ce n'est pas, comme vous avez dit maintenant, la première fois qu'on a une direction positive à l'économie. Comme vous avez vu, depuis peut-être 5 ans, l'État a fait beaucoup d'efforts pour élever l'économie. On avait beaucoup de problèmes après la révolution de 2011. C'était très bien qu'on avait une coopération des Égyptiens pour avoir assisté à ces programmes-là. Certainement, beaucoup de développements ont pris en place. Certainement, au futur, on va voir
plus de ces progrès-là et on va avoir la stabilité de l'économie. Alors, il parle de croissance positive au niveau moyen-oriental. Donc, l'agence de connotation internationale Fitch s'attend à ce que ce score s'améliore. Alors, quelles seraient les perspectives post-Covid, peut-être, pour l'économie égyptienne? Certainement, tous ces facteurs-là vont donner une indication positive pour les investisseurs. Si on va voir les investisseurs locaux et les investisseurs internationaux, ça va donner une confiance et la stabilité de l'économie. Et ça va encourager beaucoup des investisseurs qui vont venir faire leur projet en Égypte. Ça, c'est sur le plan, je veux dire, macroéconomique, mais il s'agit également ici perspectives pour aussi peut-être positives pour retrouver un autre genre d'investisseurs qui pourraient s'intéresser, donc peut-être de type industriel, technologique, les grandes firmes internationales. Parlez-nous un petit peu du plan de l'État en ce qui concerne la perspective 2021-2022 en ce qui concerne l'investissement en Égypte. Certainement aussi, par encourager les investisseurs internationaux, ça va nous donner une chance à l'économie qu'on va avoir la technologie, tous ces investisseurs, quand on vient ici en Égypte et on fait des projets, on a beaucoup de technologies en avance. Certainement, ici, on peut bénéficier de cette technologie. Et de l'autre côté aussi, ça va élever le facteur humain. Ça, c'est très, très important. Alors, avec également cette rénovation, cette modernisation dans le cadre qui est une politique de l'État égyptien, la numérisation et la création donc de zones de villes intelligentes, jusqu'à quel point elle a pu dynamiser justement et elle redynamisera les agences de connotation internationale sur le plan, bien sûr, sur le plan économique. Certainement, ça c'est très important aussi, mais on doit prendre un facteur très important, qu'on doit avoir un comité pour élever des obstacles que peut-être les investisseurs vont rencontrer. Ça c'est très très important. Et de l'autre côté aussi, les investisseurs internationaux, on va donner beaucoup de la technologie, comme je vous dis de maintenant. On va élever le facteur humain parce que nous avons besoin d'élever les ressources humaines. Comme vous avez vu, peut-être je vais vous donner un exemple. Les deux accidents qu'on a vu dans les trains, c'était parce que le facteur humain n'est pas élevé avec la technologie moderne. Alors après, tout ça, on pourra avoir beaucoup de la technologie et ça va élever le facteur humain. Alors, docteur Mustapha, tu as même l'occasion également de faire peut-être le point sur le devenir de l'économie mondiale après la pandémie de la COVID-19. Comment vous la voyez et comment vous voyez notre économie au sein de ces transformations matérielles? Je pense qu'on passe cette période-là, l'économie va être élevée et certainement parce que ça donne une indication quand on a un problème comme on avait avec le Covid, ça va nous donner une chance pour donner beaucoup de pouvoir à le secteur de la santé parce que peut-être on a pas donné beaucoup de pouvoir en ça. Alors, le secteur de la santé serait très, très important au futur. Alors, peut-être c'est l'occasion de faire aussi, de donner des perspectives pour les marchés,
le genre d'industrie qui serait les plus touchées après la Covid-19. Et on voit aussi, peut-être je vous invite à faire le point, sur justement les économies, les secteurs économiques les plus chanceux qui ont profité justement, comme le facteur technologique qui a bien profité de cette, sur le plan éducatif ou autre, qui a profité de l'aspect pandémique, qui a sévi, qui a terrassé le monde entier. Certainement, comme vous avez dit maintenant, beaucoup de secteurs, le secteur technologique a profité de la COVID. Mais d'un autre côté, on avait des problèmes avec le secteur touristique et le tourisme en général. Au monde entier maintenant, on met beaucoup de restrictions pour les touristes, pour les citoyens qui entrent et quittent les pays. Alors certainement, ça a donné un effet négatif, mais peut-être, peut-être après, on peut passer cette période-là. Moi, je pense que ça, c'est une chance pour ce secteur-là d'avoir un qui a pris plan de l'expansion, oui. Oui. L'occasion également de faire le point, vous, en tant que politologue, en tant qu'économiste, à long terme, vous pensez que, je veux dire, l'économie mondiale va pouvoir pas tirer profit, mais s'en sortir des conséquences néfastes sur le plan économique, surtout macroéconomique, comme on parle comme Fitch, sur le plan à long terme ou à court terme? Moi, je pense où il n'y a pas de sortie. À long terme, l'économie mondiale pourra passer cette période-là. Mais ça va prendre un peu du temps, parce que quand on voit maintenant, il y a une troisième phase de la COVID au monde entier. Mais certainement, moi je pense de 2 à 3 ans, on pourra passer cette période-là. Alors, docteur Mustapha, également l'Égypte, parmi ses nombreuses alternatives concernant donc l'expansion même de l'économie égyptienne, figure cette question de culture qui est un point angulaire dans la stratégie de l'État. Comment peut-on produire ou peut-on, je veux dire, rendre la culture, la rendre un produit économique qui va renforcer justement le PIB ou le taux de croissance de cette région du monde, de l'Égypte et du Moyen-Orient? Est-ce que c'est possible? L'Égypte et le Moyen-Orient, ça part de l'économie mondiale. Maintenant, on doit avoir un point très très important que pour passer cette période-là. Malheureusement, beaucoup de gens ne font pas les restrictions qui sont très très importantes pour réduire le nombre des gens qui sont affectés avec le COVID. C'est très, très important pour passer cette période-là d'avoir une coopération et qu'on prend on prend cette matière, c'est une matière très sérieuse. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas, on ne pense pas comme ça, mais ça c'est très très important pour passer cette période-là. Alors, également, peut-être avant de vous quitter, cette résolution de l'Égypte dans cette crise qui a été au niveau du canal de Suez avec l'Ever Given, la réussite de l'Égypte à pouvoir évacuer, à faire ses démonstrations, ses preuves, comme quoi elle est capable de gérer n'importe quelle crise, à quel point ont-ils influencé également cette connotation qui devient de plus en plus positive, or que pour des pays, de grands pays industrialisés, parfois il y a une dépréciation économique ou dépréciation au niveau de la connotation de ces agences importantes? Certainement, il y a un facteur très très important que vous avez dit maintenant, c'est qu'on doit travailler entre comme on dit en anglais, team building, avoir la coopération entre tous les partis.
Ça, c'est très, très important. On a vu ça dans le problème du canal de Suez, comment on a élevé le bateau qui a fermé le oui, canal. Oui. Ça, c'est très, très important. Voilà. On travaille entre tous les secteurs travaillent en harmonie pour élever... Et surtout, docteur, la performance égyptienne dans la résolution de cette crise qui a favorisé également, qui favorise encore, qui est une démonstration importante dans la force de l'Égypte à être au-devant de la scène des pays peut-être émergents sur le plan économique. Merci, docteur Mustapha Tamem, d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Vous êtes un professeur d'économie et de sciences politiques. Ravi de vous avoir à bord encore. Et surtout, bon mois et bon béni le mois de Ramadan. Madame, monsieur, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Je vous souhaite de passer une excellente continuité, surtout sur la TV internationale. Ne quittez pas dans quelques instants un autre programme et une nouvelle transmission en langue française.